Le 20 janvier 2024, Félix Tshisekedi dévoile ses piliers au nombre de 6 qui devraient normalement conduire son deuxième quinquennat. Il y a notamment la création de l'emploi, la diversification de l'économie, la sécurisation des personnes, et également plus d'accès aux services sociaux de base et renforcer l'efficacité des services publics. Le 1er avril, c'est une femme qui est nommée à la tête du gouvernement, qui a à son actif ou dans son passé seulement le fait qu'elle a été au PNUD et le fait qu'elle a été également ministre du Plan. Judith Toumina, Touluka plutôt, Souminois, puisqu'on doit devoir s'habituer avec ce nouveau nom, a-t-elle tous les atouts pour faire du bon travail? On en débat dans cette émission Version Croisée. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans ce numéro partagé avec Edouard Kazadi, du LUDPS. Bon après-midi à vous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous aussi. Salutations à nos téléspectateurs et à mon co-débatteur. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes communicateur privé du chef de l'État. Vous avez déjà parlé de ce sujet. Aujourd'hui, on va essayer d'élargir encore le débat pour entrer en profondeur en ce qui concerne le profil de notre nouvelle première ministre. Il n'y a pas de quoi, on est là. Alors, en face de vous, quelqu'un de l'opposition, Jeannot Lompépé, maître avocat, bien évidemment, qui très récemment a mis en place, qui a saisi la Cour constitutionnelle sur le sujet de, comment vous appelez ça, pour que l'on puisse revoir la décision du Exactement. Gouvernement qui a levé le moratoire sur l'exécution de la peine des morts. Bonjour, bienvenue à vous également. Merci beaucoup, monsieur Gaïta. Je salue également notre, mon co-débatteur. Ouais. Peut-être très rapidement, vous savez que dans notre pays, nous avons accepté d'avoir la primauté de la Constitution. Ouais. Et que lorsque vous lisez bien la note circulaire de Madame la ministre et ministre de la Justice sur la levée des moratoires à ce qui concerne la peine des morts. L'exécution de la peine des morts, oui. Voilà, exécution de la peine des morts. J'ai estimé que non, cette mesure-là viole la Constitution. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans la Constitution, il y a l'article 16 et 61, voire même 215, qui concerne quand même la sécurité des conventions internationales par rapport aux lois, par rapport aux règlements, et que dans notre pays, nous avons le devoir de pouvoir protéger la vie humaine, quels que soient les problèmes, l'État a l'obligation, l'État a tous les moyens possibles de pouvoir appliquer d'autres mesures sur les traites ou bien les criminels de la République, mais chercher moyen quand même d'appliquer la peine de mort. Moi, je crois que cette mesure-là viole une fois de plus la constitution de notre pays. Donc, vous avez saisi la Cour constitutionnelle, vous avez déposé, comment vous avez appelé ça? Non, mais c'est une requête. Votre requête, justement, oui, en inconstitutionnalité de cette décision de levée de moratoire. Cette mesure-là, portant sur la levée des moratoires. Pourquoi? Parce que c'est la Cour qui demeure le gardien de la Constitution. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des problèmes qui touchent, qui dérangent la société et surtout la vie nationale de notre pays, lorsqu'il y a des problèmes, notamment sur l'avenir de notre Constitution, il y a lien que non, la Cour constitutionnelle, avec tout ce qu'il entend, mais des compétences matérielles de pouvoir quand même trancher ces débats-là, parce que ce débat-là, c'est un débat national, tout le monde veut interpréter dans tous les sens, mais néanmoins, moi j'ai estimé de pouvoir ramener encore une fois de plus ce débat-là au niveau de la Cour. C'est le seul moyen où la Cour, maintenant, il a le plein pouvoir de pouvoir départager nous, les Congolais, parce que nous disons que non, écoutez, nous avons l'intérêt de pouvoir respecter la Constitution de notre pays. Vous vous attaquez à cette levée du moratoire, non parce que vous craignez, vous, être condamné à mort, mais parce que c'est anticonstitutionnel d'après vous. Non, mais c'est d'abord ça, Gaïta. Mm. Les problèmes ici, c'est le respect de la Constitution. L'application des peines de mort viole la Constitution de notre pays. Donc ça, c'est connu. Je sais que dans notre pays, vous savez même, dans le Code pénal congolais, livre 1 ou 2, nous avons quand même les actionnaires des sanctions, ce qui est prévu. Ouais, mais cherchez-moi 20 ans après appliquer la peine de mort. Moi, je crois que cette mesure-là, c'est tellement grave et ça veut la Constitution. Donc, s'il y a des problèmes au niveau de l'armée, au niveau de la société, l'État, les pouvoirs, il a tous les moyens nécessaires. Pourquoi pas d'appliquer même, comment on appelle ça, les travaux forcés? Parce que jusque-là, moi, je suis avocat, je suis dans ce secteur-là. Je connais que non, on ne connaît pas les gens pour des travaux forcés. Et pourtant, l'État aujourd'hui peut organiser dans quelle mesure on peut appliquer carrément la peine des travaux forcés. On peut vous condamner, écoutez, vous êtes condamné à 10 ans, à 20 ans ou bien à 30 ans. Vous partez faire quand même le sang pour la République.
et que nous autres, nous allons bénéficier de votre travail. Donc, il y a plusieurs sanctions à ce stade, mais cherchez-moi revenir sur cette décision-là. Je crois que non, c'est vers la Constitution. Et qu'au-delà de tout ça, au-delà de tous les commentaires est possible dans notre pays, le seul moyen, c'est de ramener ce débat-là au niveau de la Cour constitutionnelle et que la Cour, il a l'intérêt de pouvoir trancher cela. Comment trouvez-vous la démarche de Jeannot Pépès, légitime pour un citoyen, justement, avocat sur quoi, qui a remarqué que nous violons la Constitution en levant ce moratoire, ou d'après vous, il y a d'autres idées sous des cartes qui n'indisent pas leurs mots? Merci beaucoup pour la parole. Oui. Moi, je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler sur l'aspect juridique de la décision portant la levée... Le moratoire sur la levée de l'exécution sur la peine de mort, comme vous avez dit là. Oui. Je pense que je ne m'étalerai pas assez sur l'aspect juridique de la chose, notamment puisque la décision est claire dans sa lecture. Mmh. Les dispositions légales qui sous-tendent cette décision ont été évoquées. Mmh. Je pense que les juristes ont toujours à dire sur la loi. C'est une démarche comme il a dit, c'est devant la Cour. C'est certainement la Cour... donnera position. Mais ce qui nous concerne, nous pensons que l'aspect juridique de la question a déjà été traité, a été élagué par la décision elle-même dans sa lecture. Mais pas pendant la Haute Cour, en justement, tout cas. Justement, mais je pense que les dispositions qui ont été évoquées dans cette décision, ce sont des dispositions qui sont en cours dans notre pays, ce sont des dispositions qui peut-être émanent de la Constitution ou de certaines lois organiques. Donc je pense que la loi a déjà été claire. Mais je pense que mon co-débatteur plutôt aura juste la confirmation que cette décision, quoique ça ne lui plaise pas pour des raisons peut-être purement, je pense que des raisons politiques, bon. Je pense que, mais notamment, nous pensons plutôt que ce qui fait peur aux gens, la peine de mort, c'est parce qu'ils ont peur eux-mêmes de s'y retrouver ou de voir leurs proches se retrouver dedans. Puisque moi, je sais que je ne poserai pas des actes qui m'exposeraient à la haute trahison. Je sais que notre justice est en train de prendre un élan d'objectivité. La Bible dit justement que les malfrats ont peur des magistrats. Je vous rejoins dans votre raisonnement. C'est les malfrats qui ont peur des magistrats. Un élan de démocratie, quoiqu'il y ait encore beaucoup d'efforts à fournir. La peine de mort, comme je concède à mon co-débatteur, la vie humaine est sacrée. Ce n'est pas une décision qu'on prendra à la légère, juste parce que la tête de Gaëtan ne me plaît pas. Cette décision, avant qu'on en arrive là, il est juriste, je n'apprendrai rien. Il y a des procédures qui vont certainement affirmer, confirmer et reconfirmer, s'il faut le dire comme ça, que l'accusé est réellement coupable et que la sanction qui a été prévue par la loi devra être appliquée sur lui. Nous pensons que cette peur-là, c'est plus la peur des politiciens. Pour la population, d'ailleurs, c'est une décision qui a été accueillie avec beaucoup de gens, puisqu'on sait que c'est la décision la plus extrême, la plus drastique, qui permettra, c'est que même que les gens ne puissent juste pas avoir la simple idée de trahir la République. Mais ceux qui ont peur, ce sont les politiciens, parce qu'ils savent qu'ils se retrouvent dans des combines, surtout dans les activités qui vont certainement les exposer à la haute trahison. Mais nous, certainement, si cette loi ne leur plaît pas, ça revient à eux de retrouver les bons chemins, d'être ramenés sur la bonne voie. Ils ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Je vous donnerai un exemple. En Ouganda, par exemple, il y a une année, on avait fait voter une loi pénalisant l'homosexualité. Et pas plus tard, il y a quelques jours seulement, des organisations avaient saisi leur Cour constitutionnelle pour demander que l'on puisse lever cette loi-là. Pourquoi? Parce que ça violerait la Cour constitutionnelle, et leur haute juridiction a répondu, bien évidemment. Puisque nous sommes dans un état des droits, je suppose que la Cour constitutionnelle peut peut-être l'écouter, évaluer ou traiter sa requête. Je ne suis pas en train de condamner ni d'encourager sa démarche. Oui. Nous sommes dans un pays démocratique. Il est un citoyen congolais, il joue de son droit face à la Constitution de la République. Mais moi, je pense que cet aspect juridique de la question, c'est juste un leurre, puisque la décision, dans sa lecture, expose les fondements légaux qui sous-tendent cette décision-là. Je pense que la peur est ailleurs, puisqu'on sait que certainement nos connaissances, peut-être pas moi, mais oui, nos connaissances se retrouveront surtout les politiciens, et ce qui peut-être frustre beaucoup plus que l'aspect juridique de la chose. Puisque moi, je pense qu'en tant que citoyen congolais, quand quelqu'un, un citoyen ou un membre, disons quelqu'un qui pose des actes qui visent à trahir le pays, en tant que citoyen congolais, c'est une victime aussi. Mais si on prend une décision la plus drastique qui soit pour décourager ces comportements-là, en quoi ça poserait un problème? La démarche légale en tant qu'avocat, on lui la concède, mais je
suis sûr que la Cour va lui rappeler que cette décision est une décision constitutionnelle. Voilà. Merci Edouard Kazeli pour cette note d'espoir, en tout cas, que la Cour peut statuer sur son cas. Un commentaire avant de passer à notre sujet, le sujet qui nous concerne, rapidement. Je comprends aujourd'hui la difficulté de notre ami Edouard. Mm. C'est normal, mais écoutez, Edouard, nous sommes dans un État surier. Mm. Les Congo, ce n'est pas un État voyou. Mm. Ou les respects, où on respecte rien. Non, pas du tout. Mmh. D'ailleurs, les communs même, le vœu de votre parti, c'est de quoi l'idée pêche? C'est de matérialiser l'état des droits. Et l'état des droits, n'est-ce pas? Les soubassements de l'état des droits, c'est dans la Constitution. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, même l'organisation de l'État, de la vie de notre République, tout doit passer dans le respect de la Constitution. Donc, ne passez pas que non, c'est pas la perte de l'opposition. Non, pas du tout. Parce que si nous voulons appliquer encore des condamnés de peine de mort, mais dans les régimes passés ici, 5 ans passés de votre régime, il y a eu des crimes contre la République. Je vous donne notamment même les cas dans notre pays. Il y a eu ce qui s'est passé, comment on appelle ça, c'est scandale, c'est l'argent des rames. Mm. Qui a volé l'argent des rames? Qui a bénéficié de l'argent des rames? Pourquoi on n'a pas condamné les gens? Donc à un moment donné, il ne faut pas voir que non, voilà, c'est l'opposition qui a peur. Non, l'opposition n'a pas peur. Dans notre pays, nous avons vu, votre ministre est de l'UDPS. Mais c'est Gilbert Kakone. On a vu comment il avait invité même les terroristes du M23. Mais c'est Tshisekedi lui-même a dit ça, il l'a reconnu. Lors du briefing avec Patrick Guimouya. Donc à un moment donné, il ne faut pas jeter l'opposition quand même. L'opposition à l'opposition, non. L'opposition travaille dans l'intérêt de la République. L'opposition est reconnue dans notre pays. Ce n'est pas que non, nous avons des mèches avec les étrangers. Non, pas du tout. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le respect de la Constitution. C'est très important. Merci. C'était juste un petit commentaire avant que l'on aborde justement le vif de notre sujet. On va parler à présent du profil de la nouvelle première ministre, Judith Toulouka Souminoua. C'est encore difficile pour nous, journalistes, de prononcer aisément ce nom, mais on y arrivera avec le temps. Je retourne vers vous. Edouard Kazadi, moi j'appellerais JTS, hein, ça sonne bien, JTS, un peu comme les autres présidents qu'on abrège, dont les noms sont abrégés. A-t-elle le profil pour faire du bon travail, surtout pour ce début de quinquennat du Tshisekedi, qui accuse déjà beaucoup de retard? Le chef de l'État, il fait tout maintenant. Je l'ai vu récemment participer à une matinée sur l'emploi organisée par l'ONEM. Imaginez-vous, donc il est là, c'est lui aussi, il a lancé une autre activité hier sur la masculinité positive, il signe des accords au nom de la ville de Kinshasa, donc a-t-elle le profil justement pour se démarquer notamment? Permettez-moi, je sais que vous n'aimez pas trop les retours en arrière, mais il y a des éléments. On peut faire un retour en arrière, j'ai bien peur que vous ouvrez une grande brèche, une petite brèche peut-être. Justement, je vais rappeler à la population qui nous suit aujourd'hui que l'opposition aujourd'hui, par exemple, notamment le régime passé qui est à l'opposition aujourd'hui, en tout cas, devrait se réserver ou devrait quand même se gêner de chercher à apporter une leçon de démocratie ou de respect de la Constitution. Mmh. On sait que la barbarie dont on veut nous frôler ici, on se rappelle de l'opération Likofi, au cours de laquelle les régimes en place étaient décidés d'assassiner, s'il faut le dire comme ça, d'assassiner les présumés Kuluna. Et chaque jour dans la rue de Kinshasa, on ramassait les corps. Par contre, pendant notre régime, pour ne pas dire que nous sommes barbares, le chef de l'État a plutôt fait de ces gens-là des bâtisseurs. Et pour ceux qui récidivent, il y a des sanctions plus exemplaires conformément à la loi. Et deuxièmement, par exemple, vous parlez de Kuluna, on a lancé récemment Panthère Noire. Non, mais Panthère Noire, ce n'est pas une opération spécifique de traque de Kuluna. Ce n'est pas vraiment comme... Depuis que Panthère a commencé, on n'a jamais ramassé un cadavre dans la rue. Et on n'a jamais aussi caché un cadavre quelque part, puisque la police est en train de faire le travail conformément à la volonté de la loi. Et aussi, la population sait que nous, par exemple, en termes de démocratie, en termes de justice, en termes de respect de la Constitution, nous ne sommes pas complaisants envers les nôtres. On sait que pendant les régimes de Tshisekedi, beaucoup des proches collaborateurs du chef de l'État sont allés en prison. Quoique la justice est indépendante, comme on l'a dit, mais certainement beaucoup d'entre eux ont affronté la justice pour dire que nous, on n'est pas complaisants
mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y en a qui ont été arrêtés, mais pour quelle finalité? Mais ce n'est pas Tshisekedi qui juge les gens. C'est la, vous savez très bien que nous avons la séparation du pouvoir. Ouais. La justice, quand une personne, je dis d'ailleurs même que c'est bien puisque je suis en face d'un avocat, toute personne accusée bénéficie de la présomption d'innocence. Et même quand il serait condamné au premier degré, les voies de recours sont employées. Donc ça, c'est un autre débat pour dire quand même que les faits qu'ils affrontent la justice, c'est pour dire que notre pouvoir, s'il faut dire comme ça, n'est pas complaisant avec avec le sien, s'il faut dire comme ça. Et enfin, les affaires de 1-23, je pense qu'une fois de plus encore, nous devons avoir honte d'aborder certains sujets. Si c'est que nos amis en face aujourd'hui à l'opposition ont la chance d'avoir un président, un successeur qui est très courtois, qui cherche vraiment à ne pas exposer les bévues du régime passé. Si les 1-23 étaient venus à Kinshasa, c'est parce qu'ils étaient venus pour renouveler les contrats avec la République qu'ils avaient signé pendant que le régime de l'opposition était en place. Ah bon? Ils avaient stabilisé l'instabilité, ils étaient habitués à payer ces gens-là, ils étaient habitués à céder des... Ils voulaient faire perdurer quelque chose en venant justement, ici. Ils étaient venus pour poser la question. Est-ce que notre deal continue encore, le deal qu'on avait avec le régime passé? Chose qu'on l'a répondu au président. Ouais. Le président a répondu par un d'autres bengala à la N12. Le ministre de l'Intérieur. Il ne savait pas apparemment. Non, écoutez, les gens sont venus pour poser une question. Est-ce que notre deal continue encore? Le deal qu'on avait avec le régime passé de nous payer, de nous céder des concessions, de nous donner des pourcentages sur quelque chose, de nous laisser un espace de vie. Est-ce que ces deals continuent encore? Vous voulez, c'est une question de haute portée d'État, qui sait le président avait le pouvoir de répondre. Le ministre Kanko n'a fait que servir des ponts pour avoir la réponse. Et le M23 a eu sa réponse avec un très grand silence pour dire que niette, et voilà, aujourd'hui nous en sommes. Et ils sont encore là à demander un dialogue. On sait très bien que le régime en place était habitué au maquillage. Ils ont stabilisé l'instabilité. Ils ont maquillé la clandestinité de nos adversaires, des adversaires qui aujourd'hui qui étaient dans les institutions avec eux, avant que nous puissions arriver. Je veux bien accepter ce que vous dites, mais essayez d'expliquer un peu comment ce même régime qui dealait avec le M23 a pu le défaire. Comment il a fait pour le défaire militairement et les mater carrément. Le M23 n'a pas été défait. Le M23 a été intégré dans notre armée. Ils ont été clandestinement enrôlés dans nos institutions pour dire que la guerre est finie. C'est une façon pour eux d'être payés. Et ceux qui sont là viennent d'où alors? C'est pourquoi ils ont demandé. Mais c'est les mêmes personnes qu'ils avaient cachées. C'est pourquoi ils sont venus vous poser. Oui, à l'arrivée du chef de l'État, ils ont posé la question. Est-ce que notre deal continue encore? Puisque, comme ils avaient le deal avec le régime en place, il faudrait qu'il y ait l'argent dans l'appareil de l'État pour contrôler que le deal serait respecté. Pouvoir échanger des cas, ils sont venus poser la question. Et on les a répondu carrément avec un nom, un grand nom, par les silences du chef de l'État, que cette histoire n'existe pas, ça n'existera pas avec nous. Voilà, aujourd'hui, nous leur ferons la guerre avec beaucoup de chance cette fois-ci et avec les efforts qui sont menés actuellement pour combattre la traîtrise. Alors, nous allons forcément arriver à ramener la personne. Répondez maintenant à la question au sujet du profit concernant de Madame Judith Touluka, la première ministre. Nous réitérons une fois de plus nos félicitations à la première ministre. Nous l'encourageons et nous souhaitons qu'elle puisse faire un fructueux mandat, surtout qu'elle ne puisse pas être complaisante, qu'elle ne puisse pas être sensationnelle dans le fait que de penser, de laisser ceux qui pensent que c'est un pouvoir des femmes. C'est un pouvoir de femme, c'est un pouvoir de Mekongo, c'est un pouvoir pour l'UDPS. Non, à ce stade-ci, c'est quoi qu'elle est l'émanation du parti et à la majorité parlementaire. Mais aujourd'hui, elle doit travailler pour la République, pour les hommes, pour les femmes, selon la vision du chef de l'État, tout en relevant les défis qui l'attendent. Une fois de plus encore, nous saluons cette décision du chef de l'État d'avoir nommé Mme Judith, qui est une décision inédite pour notre pays. Pour la première fois, nous avons une femme à la tête du gouvernement. Ça rejoint fortement le nombre de femmes qui sont au gouvernement. Merci beaucoup. Je disais que Mme Judith Touluka a les profils académiques. Elle a les parcours professionnels, elle a l'expérience. C'est une experte en développement qui a fait ses preuves à l'étranger dans notre pays et qui connaît les questions de la République puisqu'elle a été au ministère des Plans, son dernier poste. C'est-à-dire, elle était à l'époque. Pour combien de temps? Avec quelle expérience? Mais avant qu'elle vienne, elle était la présidente de la République. Elle a travaillé au cabinet du chef de l'État, si vous ne savez pas. Donc, ouais, elle a touché conseillère. Ça, c'était une appréhension officielle. Mais certainement, le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, confie des tâches à qui il le veut, selon qu'il estime qu'il est compétent ou pas. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, Mme Judith a un très bon profil. Merci. Aujourd'hui, ce qu'il attaque d'emblée, sans le voir en action, c'est parce qu'ils sont choqués du fait, premièrement, que c'est une femme. Ils sont choqués du fait que certaines coopérations que vous avez dans la primature ne puissent pas fonctionner. Ou ils sont aussi choqués du fait d'avoir une personne qui semble ne pas être
ouverte à certaines conciliabules de gestion. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard Kazadi. Jeannot Lompepe, je sais que le PPRD ou l'opposition dans laquelle vous appartenez est restée fixée, depuis 2023. Vous demandez jusqu'à ce jour que l'on reprenne les élections. Je sais que voilà, le processus électoral ou la suite des choses ne vous concerne pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça vous inspire quand Tshisekedi nomme une femme à la tête du gouvernement? Bon, d'abord, très rapidement, cher Gaïta, vous savez, moi je comprends aujourd'hui que notre ami Edouard doit retenir ici la situation d'insécurité dont notre pays nous sommes en train de traverser. Les responsables principaux sur le régime de l'IDPS, ça c'est connu. Donc vous ne pouvez pas quand même tromper l'opinion, dire que non, voilà, l'M23 est venu pour solliciter, pour demander la continuité d'un contrat. Non, pas du tout, cher ami. Soyons sérieux. Et l'M23 est venu, c'était à quelle année? Pourquoi pas l'M23 n'a pas devenu en 2019, pas 2021? Pourquoi seulement en 2022? C'est ça la question à un moment donné. Donc, nous devons être responsables. Invitons ces jeux de ping-pong là, voilà, sur les panneaux, sur les régimes passés, parce qu'il y a un président qui a la volonté. Il n'y a pas la volonté. La situation à l'est du pays s'appelle M. Tshisekedi Tshilombo. Parce que depuis qu'il est la presse, pratiquement 6 ans déjà, regardez le terrain diplomatique. Du début à la fin, il vient, il commence avec « et si ça marche ou pas ?» Maintenant, il nous amène vers Sadek. Il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, on parle encore de mercenaires dans notre pays, monsieur. Soyons sérieux. Donc, à un moment donné, il faut s'assumer. L'IDPS ne s'assume pas. Et moi, je comprends. Même ceux qui nous suivent comprennent que non, vous avez un problème. L'homme d'État s'assume. Voilà pourquoi je dis ceci. Même concernant pour la propos de madame Judith Toulouka. Mais écoutez, Gaïta, ça se connaît. Mais ce Tshisekedi cherche, il voulait avoir le premier ministre faible d'abord. Parce que c'est qu'il y a en réalité, madame Toulouka, elle va faire quoi, dis-moi? Elle va faire quoi en dehors de son CV? J'ai quand même tenté de parler avec nos amis du secrétariat général au ministère du Plat. Mais il n'y a pas de résultat là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-bas au ministère du Plat? Écoutez, Gaïta, il y a des problèmes. Si la dame n'a pas pu quand même faire quelque chose, rien qu'au niveau du secrétariat du Plat, vous pensez qu'elle va porter quoi au niveau national? Parce que dans notre pays, il y a des défis majeurs. 5 ans passés, M. Tshisekedi, il n'a pas créé les emplois. Avec son premier ministre, son temps ici, Samalou Michel, il n'a pas créé d'emplois. M. Tshisekedi, hier encore, il annonce encore la création de 6 000 emplois. Je me pose la question, ce sont des mensonges ou comment? Par quel miracle il va créer 6 millions d'emplois? Comment, Gaïta? Pendant que dans notre pays, il y a des sociétés qui ont déjà en faillite. Il y a Transco, il y a Kouroué, il y a d'autres sociétés d'État, là où l'État les monopole. Mais il n'y a absolument rien du tout. Mais comme ça, ça vous inspire quoi quand vous voyez cette une dame, en fait? Parce que c'est une nouveauté aussi. Il est le promoteur de la masculinité positive. Un statut dont il est fier, reconnu même en Afrique. Non, mais s'il vous plaît, cher Gaïta, j'ai déjà répondu sur cette question. Mais c'est ce qu'il n'est pas champion sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que dans notre pays, pendant que lui, il est président de la République, ici à Kinshasa, il y a eu beaucoup de femmes victimes. Des femmes de l'opposition, par exemple. À l'époque, il y a madame Eugène Namabunda. Il y a eu beaucoup de femmes au niveau du FCC. Beaucoup de femmes victimes dans son régime. On a vu comment on a invalidé même des femmes au Parlement. Pourquoi le président n'a pas réagi? On a vu dernièrement ici l'arrestation d'une dame de notre au sein du FCC. Une dame, elle était même ministre d'État dans ce pays. Elle est en grossesse, mais on l'a arrêtée. Donc, dire que non, voilà, le président, il fait la promotion de la masculinité, je crois que non, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans notre pays, dans la Constitution, vous savez, Kabila a tout dit. Kabila a programmé d'abord la parité. C'est dans les textes entre hommes et femmes. Ce n'est pas une innovation que non, voilà, le chef de l'État, il est venu pour matérialiser, non, pas du tout. C'est d'abord dans la Constitution. Et qu'aujourd'hui, le choix de notre maman, madame Toulouka, je pense que non, la dame ne va faire absolument rien du tout. Parce qu'en réalité, je sais comment la présence fonctionne. D'abord, il y a un gouvernement parallèle. Il y a des agences, il y a des conseillers, des tout-puissants. Il y a des ministres, des tout-puissants. Moi, je connais, il y a même des ministres qui ne reçoivent même pas leur propre premier ministre. Vous pensez que non, dans ce gouvernement-ci, quelle marche de manœuvre que madame Judith Toulouka peut mettre sur la table? Je vois comment elle réagit avec via son compte X.
Mais je me pose la question. Est-ce que Madame compare réellement? Attention, il y a beaucoup de faux comptes aussi. Non, mais, il faut bien suivre. Le plus important, c'est quoi? Dès que vous êtes nommé, n'est-ce pas? Et elle doit avoir quand même les experts autour d'elle. Oui. C'est très important. Vous êtes des journalistes compétents. Donc, il y a lien quand même de pouvoir. Mais pour nous, moi, je suis en train de voir ce qu'elle est en train de crier dans les réseaux. Donc, voilà pourquoi je dis que non. Je ne peux pas donner crédit à la dame ni la confiance. Parce que les défis, par exemple, comme défi sécuritaire, on l'a vu comment son prédécesseur, Jean-Michel, il a lamentablement échoué. Il n'y a pas un programme rétablir la paix à l'est du pays. Oui. Malheureusement, comme elle voulait faire des baisses, parce qu'on sait, la réalité c'est quoi? C'est qu'elle sait que non, la dame peut faire une année ou bien une année et demie. Et après, elle sera virée. Parce qu'en réalité, la dame, elle va pas s'y monter les chocs politiques. C'est quoi ces choses concrètement? Non, mais d'abord au niveau de l'Union sacrée. Vous savez que l'Union sacrée, d'abord, il y a des caciques qui doutent de cette dame-là. Ah bon? Et je crains que nous-mêmes, de la composition du gouvernement, ça poserait un problème. Pourquoi? Parce que vous savez que la dame, elle a comme on dit à Lingala, elle est lignée à Pamba. Parce que Kabou a tout fait. Ah bon? Mais je vous dis, non, Kabou a déjà proposé des listes. Il y a déjà des noms pour les nominations. Quelle est la marche des manœuvres? Vous pensez que la dame va renverser la liste de Kabou? Ce qui est déjà établi. En réalité, la dame alors, est là. On va diffuser quelques images. C'est avec ces images qu'on va poursuivre le débat. On va écouter un peu Prince Epengue. C'est vrai, il y a une certaine virulence dans ses propos. il revient sur le profil de la nouvelle première ministre. Pour lui, c'est un fusible, etc. On va écouter, et puis je vais écouter le commentaire d'Edouard Kazadi. En vérité, Madame Judith est la version féminine de Sama Lukonde, une personne effacée qui ne saurait faire de l'ombre à Félix Tshisekedi, qui rêve de gouverner la République tout entière, tout seul, tant le Parlement, le pouvoir judiciaire n'existe au Congo que des noms. Madame Judith est donc une forme de fusible que Félix pourrait faire sauter à tout moment, mais aussi faire porter les chapeaux de ses échecs futurs. Hélas pour notre peuple, car les défis auxquels notre patrie est confrontée, l'insécurité, la guerre d'agression, l'absence d'unité et de cohésion nationale, la pauvreté, le chômage extrême, la famine qui ronge les Congolais, aurait conduit Félix Tshisekedi à choisir une femme de la situation. Tant quand vous êtes en guerre, vous êtes censé choisir les meilleurs de vos généraux. Malheureusement, c'est une forme de fusible qui est choisie. Une première ministre de transition. Pour nous, Madame Judith n'est pas politiquement vierge, dans la mesure où elle a été ministre du plan. Elle a participé et a joué son rôle dans les échecs passés, les erreurs passées de Félix Tshisekedi, tant elle a surveillé et participé à la conception du fameux programme des 145 territoires qui se révèle être un véritable gouffre financier. Des propos parfois trop durs, hein. Je ne sais pas si on va essayer d'étamiser, mais ça, c'est pas ça, ça peut aller. J'ai retenu quelques-unes de ces phrases. Version féminine de Sama Lukonde, personne effacée pour ne pas faire de l'ombre à Félix Tshisekedi. Il dit, quand on est en guerre, il faut avoir le profil qu'il faut pour faire face à cette situation. Alors, que répondez-vous à ça? C'est vraiment, je suis un peu choqué de voir que dans ce 21e siècle, où les gens tentent quand même d'ouvrir leurs esprits à d'autres considérations de vue. Nous avons passé notre parcours de vie, notamment les parcours d'études, avec les femmes de la maternelle jusqu'à l'université. Il y a des femmes qui ont été meilleures que nous en termes de résultats, même au niveau du travail. Constater aujourd'hui cet élan de misogynie, c'est étonnant. Vous savez, un problème de mentalité, vous pensez? C'est un choc. Le féminisme. C'est un choc de la masculinité, en fait. Je pense que l'ego masculin a pris un coup, surtout de politiciens. Okay. Et nous sommes dans une société où ce qu'ils se disent là, cette misogynie-là, ça montre que nous ne considérons pas assez la femme comme on voudrait bien le dire. Okay. Nous pensons que
la femme n'a pas assez de compétences ou n'a pas assez de corps pour assumer certaines fonctions de haut niveau dans notre pays. Ça, c'est vraiment regrettable que toutes les critiques que Mme Judith reçoit, ce ne sont pas des critiques du fait qu'elle soit des critiques orientées vers son background, mais plutôt par les faits, par son genre, le fait qu'elle soit une femme. C'est là que nous encourageons le président de la République, Félix Tshisekedi, à continuer encore dans son élan de promouvoir la masculinité positive. À choquer davantage. Nous devons, non, pas choquer, à promouvoir. Nous devons nous habituer. Nous devons, nous devons considérer normal qu'une femme puisse être mon chef au bureau, une femme puisse être aussi présidente de la République, pourquoi pas. Ça va venir et c'est normal. Ça ne peut pas dire que les hommes soient moindres ou que les femmes ont un bâton magique. C'est pour dire que nous sommes dans une société qui n'est pas unisexe, permettez-moi le terme. Mmh. Il y a les hommes, il y a les femmes. Mmh. Si les hommes assument des postes, pourquoi pas les femmes vont assumer. C'est une première fois dans notre pays et nous encourageons ça. Nous demandons à Mme Julie d'avoir des nerfs très solides parce qu'il fera face à moi j'appelle ça les patriarcats. Surtout des politiciens, ils sont habitués comme ça. On dit ça dans les milieux politiques, les femmes ne sont pas assez respectées. Il y a même des femmes aussi qui sont dures envers elles. Non, mais parce qu'elles ont été domestiquées comme ça dans le système politique. Ouais. La femme, elle doit être sous un homme, la femme doit être sous l'aura politique d'un homme. À tabacher la fonction, c'est toujours un gaillard qui est derrière lui pour gérer à tout bout de champ. Ce sont des pensées très rétrogrades. S'il n'y a pas d'homme au-dessus d'elle. Non, justement. Maintenant, moi, je dis que sur les propos de Prosepeng, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un versatile. L'illustration parfaite, c'est le secret de lui-même, Chilombo lui-même. Au départ, c'était un Lilinga Pamba. Après, il devient, c'était un patin, une marionnette. Et aujourd'hui, le même Félix Tshisekedi devient un dictateur. Donc, on dit qu'apparemment, avant, il ne s'assumait pas. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a démontré que c'est un homme qui respecte la séparation du pouvoir. Merci. Madame Judith est la chef du gouvernement. Elle ne se fera pas marcher par personne. On ne le fera pas aussi de l'ombre, de surcroît pas par le chef de l'État. C'est une femme aussi qui a de la poigne. En tout cas, je vous dis, vous allez la découvrir dans son travail. C'est une femme qui a de la poigne. Aujourd'hui, tous les pronostics d'échec qu'on profère contre leur réalité, ce sont des pronostics d'abord antipatriotiques, parce que si elle échoue, c'est les pays qui échouent. Moi, je pense qu'elle va réussir et on va les voir à l'épreuve. C'est pourquoi, comme je le disais, une seule personne ne construit pas une cité. Nous serons là pour accompagner Mme Judith. Mme Justement, Judith, vous, Edouard Kazadi, l'Union Sacrée, Edouard Kazadi, les jeunes leaders. Et pourquoi si Jeannot Lompépé faisait aussi un sursaut patriotique. Il doit être choqué davantage pour qu'il revienne. Moi, je pense que ce n'est qu'une paire d'ego masculin, surtout des politiciens. Mme Judith a la compétence, elle va les démontrer au cours de son travail. Oui, vous le démontrerez encore davantage. Je vais montrer une image avec d'autres personnalités masculines. Merci beaucoup, Edouard Kazadi. Vous aurez le temps pour vous commenter à nouveau. Jeannot Lompépé, pourquoi ça semble choquer être nouveau pour vous, le PPRD ou le FCC? Parce que vous avez eu une présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, qui a un profil quand même similaire aussi, qui a fait des études à l'étranger. Il a peut-être fait aussi l'économie, quelque chose de semblable. Pourquoi aujourd'hui, quand on a une première femme à la tête du gouvernement, ça vous paraît nouveau? Non, mais Galita, il faudrait d'abord préciser les choses. Ce n'est pas que non, ça nous paraît nouveau. Non, pas du tout. Nous, on n'a pas de problème avec les femmes. Oui. On sait que dans notre pays, nous avons des femmes compétentes, puisque les hommes, ça, c'est connu. Oui. On a vu comment Mabunda, elle a géré l'Assemblée nationale. Même si Mabunda a été virée injustement parce qu'elle n'a pas voulu quand même cautionner la violation de la Constitution. Non. Si c'est vrai, nous sommes d'accord. Mais ici, il est question d'abord, est-ce que Madame, et je dis de Toulouka, elle sera en mesure de relever les défis d'abord? C'est ça la question. Vous pensez que face à ce qu'il y a des filles concrètement, parce qu'elle construit déjà, elle est dans les PDS 145 territoires. Il a énuméré quelques problèmes. Rien que dans son secteur, notamment les programmes de 145 PDL, où sont des résultats? Comment elle a géré du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'elle peut nous présenter dans l'ensemble les résultats probables sur comment? Les BCCO le fait quand même. Non, mais écoutez, il y a BCCO, il y a d'autres structures. Ça, c'est connu. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il y a un problème, Kaïta. Vous savez, dans la Constitution, dans notre système, la Constitution donne le plein pouvoir au Premier ministre comme chef du gouvernement de pouvoir piloter l'action du gouvernement. Mais ici, regardez le comportement de son prédécesseur, M. Jean-Michel Sam. Il était presque totalement effacé. Est-ce que vous avez vu là où ne fût-ce que pour la première fois, Jean-Michel, le Premier ministre, est allé inaugurer quelque chose? C'est toujours M. Tshisekedi de Chilombo qui vient en avant. Voilà pourquoi je vous dis que non, la dame... Avec elle, ça sera pire. Mais bien sûr, je vous dis que non,
Madame Toulouka, elle sera juste là, n'est-ce pas, comme, comme on dit à Lingala, Elilingi, rien que pour apparaître. Elle ne va faire absolument rien du tout. Tshisekedi a besoin, Tshisekedi ne veut pas, Premier ministre qui va faire des ombrages, ou bien bloquer, ou bien contredire. Non, pas du tout. C'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi je dis que non, Madame Toulouka, même s'il a ses qualités intellectuelles, mais à ce stade, je crois que non, moi, elle me convoque pas. Parce que j'estime que non, je préfère au moins quelqu'un d'autre. J'ai une question qui me vient à chaud comme En nommant Judith Toulouka comme ça, comme première ministre, et ça veut dire que Tshisekedi n'a pas comme priorité la résolution du conflit dans l'est du pays. Parce que bon, c'est pas une femme guerrière, on va se le dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ouais? Bon, on savait d'abord, avant Tshisekedi... Il va laisser la situation de la guerre va continuer ou comment? Mais la situation est là. Si son prédécesseur, Michel, il a montré ses limites, vous pensez que là-dedans, il va relever le défi? Parce que le problème d'abord, c'est les sommets. C'est d'abord Tshisekedi lui-même, sa politique, ses critères, ses comment. C'est ça la vraie question. Parfois, il y a des réunions. Réunion de sécurité, il n'y a pas le Premier ministre. Vous pensez que non, madame, elle va s'imposer dans la scène comme la chef du gouvernement? C'est ça des questions qui dérangent. Aujourd'hui, depuis que nous avons perdu nos territoires là-bas, nos localités, plus de 2 ans et demi, on n'a pas vu le courage de Michel Sissam de nous aller sur le terrain. Aller peut-être jusqu'au bout à la ligne du front. On n'a pas vu ça. Donc, pour vous montrer que non, notre maman avec cela, avec l'âge de 56 ans, je crois que non, elle aura beaucoup de problèmes sérieux, Gaïta. Nous sommes politiques et nous savons ce qui va se passer. Merci. Je sais que non, il y a des problèmes. Surtout des problèmes de sécurité, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, à Goma, là-bas, il y a des problèmes. Goma est menacé. D'autres problèmes, les problèmes économiques dans d'autres pays. On a vu comment Tshisekedi a élevé, comment il s'appelle ici, le MCC, Kamer, comme ministre de l'économie. Kamer a produit quoi? Quel est le résultat encore déjà? Pour vous montrer que non, dans notre pays, il n'y a pas de chance. Tshisekedi a promis les 6 prioritaires, l'emploi, la sécurité et les autres. Mais aujourd'hui, pratiquement, nous sommes déjà 4 mois depuis qu'il est président. Où sont les résultats? La situation sociale de notre pays, c'est comment, Gaïta? Nous avons des problèmes sérieux. Mais regardez aujourd'hui, depuis que la dame est là, depuis sa nomination. On l'a vu, elle est allée voir le ministère de l'UDPS. Après Kabouya, on voit notre mémé national. Quel est l'intérêt? Quel est ce rapport? C'est sa famille politique. Mabunda aussi, avait des écharpes péperdiennes. S'il vous plaît. Oui. Écharpes, oui, ce sont des partis. Oui. C'est normal. Mais à un moment donné, nous devons laisser notre mémé national tranquille. Allez. Mémé national, ça veut dire quoi? Mais maman, maintenant, c'est notre mémé national. Nous avons beaucoup de respect pour elle, donc il faut laisser maman tranquille, notre mémé tranquille. Il ne faut pas créer des baisers. Non, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, cette auto-image ici, cette vidéo, sera-t-elle complaisante? Ne se laissera-t-elle pas le marcher dessus par les caciques politiques de l'Union sacrée de la nation? Ne subira-t-elle pas des pressions? Oui ou non? On va voir d'abord cette image et puis Edouard Kazadi nous dira si ce sera le cas ou pas. Voilà, c'était le passage de la nouvelle première ministre au siège de l'UDPS. Il a été reçu par Augustin Kabouya, mais accompagné des femmes du parti. Edouard Kazadi, c'est une question qui m'a été posée hier par une des téléspectatrices, comme ça. Est-ce qu'elle saura tenir tête à quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, si jamais il est reconnu, hein? Je vais un peu revenir sur certains... des comportements, les discours de nos compatriotes de l'opposition, les détracteurs de l'élan du développement de notre pays, par exemple. J'ai remarqué que leur discours sur Mme Judith semble de plus en plus évoluer. Avant, ils attaquaient Mme Judith sur les faits des gens, sur les faits qu'elle soit une femme. Aujourd'hui, maintenant, c'est les faits comme ils se font maintenant pour. Ils se passent pour ses protecteurs. C'est l'ancienne alerte du fait que non, elle sera absorbée par l'aura du chef de l'État et tout ça. Mais moi, je pense qu'ils ont plutôt été déçus une fois de plus.
Ils espéraient un premier ministre qui serait en conflit avec le chef de l'État, un premier ministre plutôt qui aurait une attitude d'hostilité ou de concurrence ou encore des challenges avec le chef de l'État. Malheureusement pour eux, ils ont encore été déçus, ils ont déchanté sur ces plans. Moi, je les comprends, ça va leur passer une fois de plus. Ils sont habitués à essuyer des échecs face à Tshisekedi. C'est un échec de plus qu'ils vont finir par faire avec. Revenir à votre question, je ne cesse de le dire c'est pas de la complaisance, là. Elle passe à lui des pièces. Et puis on la prend comme ça, on la mène chez le Montmartre. Notre pays a une pratique démocratique aussi. Les partis politiques majoritaires au Parlement, c'est au sein de ces partis que le Premier ministre sortira. Donc, Mme Judith Toulouka, politiquement, ne tombe pas des nues. C'est une militante de l'UDPS. Elle est cadre de l'UDPS aujourd'hui. Elle a été proposée sur la liste de l'UDPS. Et quoi de plus normal que de passer ses civilités au chef du parti de l'UDPS qui a concouru pour qu'aujourd'hui Mme Judith puisse avoir ces privilèges-là d'être première ministre. Et par ricochet, comme je l'ai dit, Maman Marthe habite à Limité, 10e rue, avec les combattants. C'est une coïncidence normale, en passant par la 10e rue, vouloir saluer la maman du chef de l'État, qui est aussi un patrimoine politique important. N'oublions pas que cette femme, Maman Marthe Kasalu, a accompagné notre maître, le fils d'Otten Tshisekedi du Wamulu Madérez, mémoire, durant tout son parcours politique. Elle a sacrifié son jeune âge au profit de l'intérêt de ses pays. Aujourd'hui, c'est un patrimoine que nous devons nous tous saluer. Et en tant que femme, ça se comprend. Non, pas en tant que femme, en tant que patrimoine d'abord. Elle n'a pas occupé des fonctions publiques pour cela. Maintenant, Madame Judith Toulouka, comme je le cesse de le dire, ne se fera pas absorber ou étouffer par l'ombre d'un homme ou d'un parti politique. Elle n'est pas premier ministre pour les femmes. Elle n'est pas premier ministre pour l'UDPS ou encore moins pour les membres de sa famille ou encore sa province natale du Bas-Congo. Elle est première ministre pour la République. Elle aura des relations de collaboration avec tous les caciques politiques, hommes comme femmes, mais elle ne se laissera pas forcément marcher dessus. Et je pense que l'Union sacrée aujourd'hui, l'intérêt de la République est toujours chose qui a été mise en avant. Je pense que nous n'aurons pas de guerre d'égo, nous n'aurons pas des hostilités parce que j'aime pas la tête de Gaëtan. Non, aujourd'hui, par exemple, les VPM, Jean-Pierre Bemba, je pense que il est là, il a été ministre de la Défense, il est ministre de la Défense intérimaire aujourd'hui, pas pour les besoins de la gloire politique, il est là plutôt pour servir la République aujourd'hui. Je pense que servir la République encore avec un chef de gouvernement ne la dérangerait pas tant que ça. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des gens comme les patriarches Christophe Mbosso qui acceptent aussi de servir avec un président moins âgé que lui. Ça n'a pas changé les respects ou l'estime qu'on a en pour réunion de conseil des ministres, vous la voyez vraiment bien, il reste quelques temps. Vous la voyez s'imposer, donner des injonctions à ses membres du gouvernement, notamment sur la question de sécurité, la situation de l'économie, peut-être sur la situation des projets, des développements. Là, je vois Madame Judith Toulouka dans son fauteuil de Premier ministre, en acte, en attitude, comme en décision. Merci. Je la vois en tant que maître plein. Jeannot Lompépé, pour Édouard Kazadi, ce n'est pas un problème qu'elle passe par l'UDPS, encore moins qu'elle aille rencontrer Maman Marthe, surtout que c'est une combattante. Voilà. Elle a vu des combattantes, elle peut voir aussi Maman Marthe Kasalu. Non, mais Gaëtan, vous savez, nous faisons la politique. Pour vous, c'est de la complaisance? Bien sûr, la complaisance, parce que nous savons que non, et ce n'était pas facile. Quand vous êtes engagé en politique, vous devez avoir une femme forte. Parce que vous savez, avec devenu Laurent de Tshisekedi dans notre pays, ce n'était pas facile. Il fallait avoir une meilleure femme à côté de lui et l'accompagner jusqu'à la victoire. Là, au moins quand même, nous reconnaissons cela. Mais chercher moyen associé directement, n'est-ce pas, pendant ce moment ici, je ne vois pas l'intérêt par rapport à cela. À moins que non, Kabouya ait estimé de créer encore Béz ou bien faire plaire aux combattants. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que si vous êtes déjà nommé Premier ministre, c'est d'abord la République démocratique du Congo. C'est d'abord les femmes qui sont, comment on appelle ça, elles sont à l'est du pays. Elles cherchent quand même les habits, les cycles, le déplacer des guerres. C'est ça le problème. J'aurais voulu que nos Kabouya prenne aussi le courage, n'est-ce pas, aller présenter la Première ministre, peut-être à Bounagana. Parce qu'à Bounagana, il y a aussi le commandant de l'UDPS. Ou soit à Massis ou bien à Routou. Là, on pouvait applaudir. Vous voyez, donc, à un moment donné, évitez-nous quand même ce jeu-là. Et j'insiste, je répète que non, notre ami Edouard, la dame, elle fera absolument rien du tout. Ça, c'est connu. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est le respect de la Constitution. C'est très important. Vous pensez que dans notre pays, lorsqu'il y aura des turbulences politiques, même au sein des lieux sacrés, je crée la démission de la dame?
parce qu'elle va jeter quand même l'éponge. Ça, c'est connu. Vous voyez? Donc, c'est d'abord une surprise, on ne s'attendait pas. Mais maintenant, la dame est là. Nous avons des problèmes. On va voir d'abord la composition de son équipe. Comment elle va gérer dans 100 jours ici? C'est très important. Mais moi, j'ai déjà inquiété son passage au niveau du ministère du plat. Moi, je crois qu'il n'y a rien de spécial là-bas. Il n'y a rien de spécial. Il y a eu beaucoup de réformes via comment, les partenaires internationaux que madame, elle devrait au moins initier de son ministère. Malheureusement, ça reste mais elle a appartenu à ces organisations internationales. Non, hein? Gaïta, nous avons connu déjà ici, non? C'est comme la dame ici, de comment elle s'appelle encore? La dame de la Banque Centrale ici. Kabet Malam, elle aussi, elle a dit qu'elle était de FMI, non? Banque mondiale, avec le PINI de tout consort. Mais regardez les résultats à la Banque Centrale. Est-ce qu'il y a des résultats encore dans ce pays? Donc il faut éviter quand même ce débat-là, non? Voilà, parce qu'elle a travaillé avec les partenaires internationaux. Non, nous sommes déjà fatigués avec ça. D'ailleurs, même à la présidence, l'entourage de Tshisekedi, ce sont toujours des diasporas, non? La plupart, ils sont venus de l'Europe. Mais regardez maintenant le rendement, c'est quoi? Le quotidien des Congolais a changé ou pas? Lui-même, il est combattant comme moi. Il voit la vie de ses combattants, de ses camarades du militaire de l'UDPS. Bon, est-ce qu'il y a de l'espoir? Il est bien, ils sont pendant bien. Pendant 6 ans, écoutez, l'UDPS est courageux, il a des entrées. Mais les autres là-bas, ils n'ont pas d'emploi. Tous ces désemplés là. Ça concerne lui, ça le concerne lui. Merci. C'est un problème sérieux. Donc, à un moment donné, nous devons reconnaître là. C'est très important. Merci beaucoup, Edouard Kazadi de l'UDP, d'être passé encore une fois dans ce studio de Télé 50 pour participer à Version Croisée. Les téléspectateurs vont m'en vouloir. Vous avez parlé plus que Jeannot, même j'ai eu à faire le calcul de temps. Merci à vous également, Jeannot Lopépé, d'être passé ici. C'était une première fois de passer dans Version Croisée. Merci beaucoup, Gaïta. J'ai vraiment aimé les débats. Donc, c'est très bien de pouvoir nous donner encore l'opportunité de s'exprimer. Merci. Et au nom du FCC et également, vous savez que même demain, on a une activité, ça sera peut-être à l'IGF ou M. Alimieti. Il a invité l'opposition et la majorité. Oui. Il va nous parler en face ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé et éventuellement les perspectives dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, nous, ça vous enchante, vous voulez aller là. Oui. Non, c'est-à-dire que cette fois-ci, il a invité les opposants. Okay. Donc nous aussi, nous avons nos questions. Nous allons poser à M. Alimieti sur cette question-là. D'accord, merci. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée, votre magazine de débat républicain. De plus en plus, on aura des images qui seront diffusées et nos co-débatteurs débattront là-dessus. Restez donc sur le programme de votre chaîne, le journal La Langue, c'est dans peu de temps. Nous, on se retrouve le jeudi prochain.